Parfait. On m'a mis au bout du jour, donc j'ai essayé de mettre. J'avais quand même fait une diapo sérieuse. Alors, on est tous conscients ici que les pollinisateurs sont en déclin, on a des populations qui sont assez malmenées, on sait que c'est un déclin avéré, et on a plusieurs études qui montrent que de nombreuses zones en Europe, on a des populations d'insectes qui ont atteint des seuils inférieurs, enfin, insuffisants pour fournir un service de pollinisation qui correspond à la demande estimée des grandes populations. Ça se voit particulièrement ici, là où j'étais, en Belgique, où on a clairement, d'après cette étude, un déficit de services de pollinisation pour l'agriculture. En Belgique, je vous calque le chiffre, on a 25% quand même des 330 espèces d'abeilles qui sont en déclin, qui ont des populations qui diminuent, et 41% des 310 espèces de cirques qui sont aussi en déclin. Donc il y a des choses à faire. Alors les causes du déclin, rapidement, on sait que c'est hyper multifactoriel, hein. On a évidemment le dérèglement climatique, l'utilisation des pesticides, une agriculture hyper intensive, la simplification des paysages agricoles avec la disparition du bocage, et tout ça, ça entraîne entre autres une diminution des ressources alimentaires. Donc c'est plutôt la question que j'ai abordée. Alors heureusement, notre empire, l'UE, essaie de mettre en place des mesures compensatoires, ou théoriquement compensatoires, pour essayer de redorer un peu le blason de l'agriculture actuelle et de reverdir les campagnes en recréant des zones semi-naturelles, des pratiques qui sont censées être plus vertes et plus respectueuses de l'environnement. Voilà, c'est le petit schéma qui est utilisé en Wallonie pour parler justement de ces mesures agro-environnementales et climatiques. Ils sont représentés pas mal sur le schéma. Il y en a 13 qui sont proposées en Wallonie. Moi, je me suis intéressé à une en particulier, les bandes de parcelles aménagées, qui sont déclinées en 4 sous-catégories. Et dans celle-là, moi, je vais vous présenter chose que j'ai fait sur les bandes aménagées pour la faune et les bandes aménagées à fleurs des prés, qui sont en fait des bandes fléchées pollinisateurs. Alors, très rapidement, comment elles sont construites sur les bandes faune. Donc, c'est des bandes qui font minimum 200 mètres de long, qui peuvent faire plus d'un kilomètre. Plus long que j'avais, c'est 1,5 km. On a une partie refuge qui est en haute herbe, qui n'est pas du tout travaillée, aucune intervention dessus pendant les 5 ans du contrat, et une partie nourricière qui est semée ou ressemée tous les ans ou tous les 2 ans sur les mélanges qu'il y a dessus. Et moi, ce que j'ai étudié, on avait un mélange assez simple, sarrasin, facile, radis. Sur les bandes à fleurs des prés, donc là, elles sont un peu plus larges, 21 mètres de large, donc c'est vraiment un type prairie fleurie, donc une base de graminées, avec dedans 10 espèces à fleurs qui sont ajoutées. Donc on sait ce qu'on a semé, mais on ne sait pas ce que ça va donner derrière. Et moi, j'ai étudié des bandes qui avaient 8 ans déjà, qui étaient en place depuis un moment, donc on avait eu le temps d'avoir une certaine évolution. Donc, du coup, un peu des questions sur ces mesures-là. Et quelles espèces sont présentes? Parce qu'on sait ce qu'on a semé, mais on ne sait pas ce qui est arrivé naturellement ou qu'est-ce qu'on y trouve après 8 ans d'implantation. Quelles ressources, du coup, sont produites par ces zones-là pour des insectes? Et puis, quelle phénologie? À quel moment ça fleurit? À quel moment on produit des ressources? Et du côté insectes, ben, quels insectes, du coup, sont présents sur ces zones-là? Et qu'est-ce qu'ils viennent utiliser comme ressources? Parce que pour l'instant, les seuls critères d'évaluation de ces zones-là, c'est combien il y a de couleurs de fleurs. Une, c'est pas top. Deux, ça va. Trois, c'est bien. Donc c'est un peu simpliste. C'est pour ça qu'on voulait essayer d'avoir un peu plus une approche un peu plus complexe sur ces zones. Et puis on voulait voir le côté agronomique, quel retour on peut espérer. Donc il nous fallait une grande culture potentiellement entomophile. En Belgique, quand il y a beaucoup de betteraves et de patates, c'est pas évident de trouver quelque chose. Il nous restait le colza. Il y avait quand même 12 200 hectares en Wallonie. J'étais dans la zone où il y avait plus de cultures de colza. Et on trouve quand même pas mal d'articles dans la littérature qui font part d'une certaine dépendance de la culture de colza à la pollinisation entomophile, parce qu'on trouve que la portée des abeilles permet d'augmenter considérablement le rendement. Il y a des études qui montrent qu'il y a 80% d'augmentation du rendement si on pollinise correctement. Donc on disait, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc le colza aussi, on sait que ces études-là sont parfois un peu anciennes, on n'a pas du tout les mêmes variétés, on n'est pas dans le même contexte, on a voulu recaler un peu les choses. Donc on s'est posé la question de quels sont les réels besoins du colza en service de pollinisation. En vecteur, c'est-à-dire de vecteur de pollinisation. Donc, quels insectes visitent le colza? Qu'est-ce qu'on trouve sur les parcelles, dans les parcelles, en grande culture conventionnelle classique? Combien de fleurs sont visitées? Les taux de visite? Est-ce qu'on a un déficit de pollinisation ou pas? Donc, est-ce qu'il y a besoin de rajouter des insectes? Et est-ce qu'il y a finalement concurrence ou complémentarité entre ces mesures de bandes aménagées et les parcelles de colza? Parce qu'on a dit, ouais, si on met ça, ça va me piquer tous les insectes qui vont sur le colza, c'est une catastrophe. Bon, on verra qu'il y a de la marge. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme observation concrètement sur le terrain? Au niveau des insectes, sur le colza, on a fait des chronométrages. Donc, sur un des quadrats de fleurs, on sait exactement combien il y avait de fleurs, regardez les insectes qui venaient visiter tout ça. Et puis, on a fait aussi des captures au filet sur les bandes. Comme ça, on a à la fois l'info quelle fleur et quel insecte. Donc, on a les interactions. Et on a regardé aussi, on a regardé à la fin, le contenu des pelotes de pollen des bourdons pour avoir une idée un peu plus longue de ce qu'ils ont visité, avoir un peu un historique de leur parcours. Au niveau des observations de fleurs, on a regardé évidemment la densité et la diversité, c'est des quadrats d'un mètre carré, on faisait tous les 5 mètres sur nos bandes, sur des transects de 100 mètres de long. Et on a mesuré les ressources alimentaires
des mesures assez simples, quantitatives. Donc pour le nectar, le volume de nectar produit et les concentrations en sucre, que chaque fois on exprime ça en quantité de sucre produit par jour. Et pour le pollen, là on a mesuré les volumes de pollen produits. Donc on n'a pas été jusqu'au qualitatif exact, la composition précise des pollens. Là on est déjà resté sur un premier niveau un peu grossier de quantitatif. Alors sur le colza, on a poussé un peu plus la biologie, voir un peu à quel point il avait besoin des services de pollinisation. Donc on a travaillé un peu sous serre avec des plantes émasculées, la pollinisation spontanée, la pollinisation manuelle, croisée ou autopollinisation. Et puis il y a toute une partie au champ, donc autopollinisation manuelle et autopollinisation, enfin pollinisation libre par parcelle. On a pu faire la différence entre les deux, voire un déficit de pollinisation. Donc on a testé notre modèle colza, donc là on a regardé un peu les taux de mise à fruit, le nombre de graines par fruit et le poids de graines par fleur. Donc on a vu qu'entre pollinisation croisée et autopollinisation, on n'avait pas de différence significative, donc on a bien des variétés qui sont auto-compatibles. Par contre, on a un déficit qu'on voit bien, qui est statistiquement significatif, entre l'autopollinisation spontanée et la pollinisation, une surpollinisation manuelle. Donc on a effectivement besoin d'un vecteur externe de pollinisation pour le colza. Ouf, les variétés ne sont pas encore tout à fait autonomes, on peut encore s'en servir en champ pour voir si on a besoin des insectes. Alors, les insectes, qu'est-ce qu'on a observé comme insectes sur nos parcelles? On a vu sur le colza, alors on a été surpris, on a vu une seule espèce, on a vu uniquement Apis mellifera, aucun insecte sauvage, rien du tout. Donc c'était assez désert, assez monospécifique, donc une fleur, un insecte, c'est très clair. Et sur les autres, on a quand même vu un peu plus de choses, même si on était en zone de grande culture intensive. Sur les bandes à fleurs, on a vu en moyenne 23 morphotypes, 23 espèces d'insectes par bande, et sur les bandes faunes, 19, avec une grande majorité de diptères et d'hyménoptères. Très peu des lipédoptères et coléoptères. Alors les grandes espèces, on les compose un peu plus, on voit qu'on a quand même quelques espèces qui sont très présentes. Normalement, les grands classiques sont hyper présents. Parce qu'en prenant juste les 4 plus présents, on obtient 71% des visites qu'on a vues sur les bandes à fleurs et 60% sur les bandes faunes. Donc avec Apis mellifera qui est très présente. Bromus lapidarius, ce que j'ai classé dans mouches, c'est toutes les mouches non cirphidées. On s'y était moins intéressé, donc on a juste fait un gros clade de mouches non cirphidées. Et puis Aristalis tenax. Alors ce qu'on voit quand même intéressant, c'est que dans les 3 espèces qu'on a là, on a des grands pollinisateurs classiques. Donc on peut se dire, on est quand même soutenu, ou au moins on a attiré des populations qui potentiellement peuvent finalement servir, produire un service de pollinisation qui peut être intéressant. On a été surpris de voir quand même une très faible diversité d'abeilles sauvages hors bourdon. On avait au total que 7 espèces d'abeilles sauvages sur nos bandes de fleurs et 5 sur les bandes faunes. On en a 330 en Belgique, donc c'est quand même pas énorme. Et avec très peu d'individus, on avait à peine 1% de capture qui étaient des abeilles sauvages. Alors, on avait pas mal d'espèces de cirf, on en avait 27 et 20, et dont 50% d'espèces qui sont aphidophages. Qui peuvent là aussi, on n'a pas regardé ça, mais qui pourraient être intéressantes pour un service écosystémique. Par contre, ce qui est chouette à noter, c'est que dans toutes les espèces d'hyménoptères qu'on a vues, on n'a que des espèces d'émergence précoce, donc mars-avril. Donc il y aurait besoin de ressources assez tôt dans la saison. On va voir ce que ça donne. Quand est-ce qu'on a vu nos insectes sur les bandes? Le colza, au moment où il était en fleurs, avril-mai, après il n'y avait rien, classique. Et sur nos bandes fleurs et nos bandes faunes, donc à peu près aucune visite au printemps, ça commence un peu en juin. Et puis un pic en juillet, ça redescend en août. Donc on a vu qu'on avait principalement des espèces très communes, potentiellement intéressantes pour un service de pollinisation ou de gestion des ravageurs. Pas d'insectes sauvages sur le colza, uniquement Apis mellifera, et pas d'insectes sur nos parcelles avant juin-juillet. Donc une grosse lacune pour tous les insectes à émergence précoce, alors qu'on sait qu'ils étaient forcément. Si on fait un point sur les ressources, qu'est-ce qu'on avait en type de quantité de ressources et à quel moment? Donc, on va commencer juste par les fleurs. Là, c'est uniquement quand est-ce qu'on avait des fleurs sur le site. Bon, on peut le savoir pendant la période de floraison, évidemment, tout début du printemps. Et on voit par contre que sur nos bandes fleurs et faune, on a finalement très peu de choses au printemps et ça commence doucement en juin, juillet, août, et puis septembre, on a déjà presque plus rien. Alors, j'ai mis 2 couleurs. En vert, c'est tout, c'est les espèces qu'on a semées, et en orange, c'est les espèces spontanées. On voit qu'on a quand même une production assez importante de fleurs par les espèces spontanées qui n'étaient pas dans le mélange, surtout au mois de juin pour les bandes à fleurs. Et si on regarde un peu les densités, on voit que c'est quand même incomparable. Sur le colza, on est autour de 2300 fleurs par mètre carré par jour, les nouvelles fleurs qui s'ouvrent, alors que sur les bandes à fleurs, on n'atteint même pas les 150. Donc on est quand même presque 20 fois moins de fleurs. Donc on a une densité qui est quand même assez peu comparable.
Alors sur les bancs de fond, là on est encore en dessous, on est plutôt autour de 50. Au niveau des principales espèces qu'on a retrouvées, donc le colza évidemment, et que le colza, c'est vraiment monospécifique, sur les bancs de fleuries, on avait donc le Triflorum repens, le trèfle blanc au printemps, qui est pas semé, qui est une spontanée, et puis après on retrouve quelques grandes espèces qui avaient été semées, la carotte sauvage, le cuscarota, le lotus corniculatus, la luzerne, Fodicago sativa, et l'Aquilea nilfolium. Sur les bancs de faune, pareil, qui fleurissent en été, on voit qu'il y a une complémentarité. Au printemps, on n'a vraiment que le trèfle qui fleurit, enfin, principalement le trèfle qui fleurit, après on a quand même une complémentarité un peu plus élevée entre les espèces. Sur les bancs de faune, on a eu un gros pic, un peu une surprise, avec le trèfle incarnat, qui vient d'une contamination du mélange par exploitant, bon, qui du coup a fourni énormément de ressources, qui s'avère intéressant, et puis une diversité un peu plus grande finalement sur les bancs de faune au niveau des familles qui sont en fleurs, parce qu'on a des retours des brassicacées. Une renouée, il ne doit pas être très intéressante pour les insectes, mais quand même bien présente. Alors, production de nectar, donc uniquement le sucre du nectar. Donc là, pareil, avec les mêmes couleurs, espèce semée en vert, espèce spontanée en orange. Donc on voit tout de suite sur les bancs de faune, on a quand même une part très importante des espèces spontanées pour la production de nectar. On voit que les espèces semées sont un peu, ne produisent pas grand-chose. Donc encore un gros pic en juillet, et pas grand-chose autour. Pareil, si on compare ça à une grande culture, c'est assez peu comparable au niveau des quantités, parce que le colza, on arrive à peu près à 700-750 mg de sucre par mètre carré par jour. Sur les bandes à fleurs, au pic, on est à un petit peu plus de 20. Ça fait quand même nettement moins, et si on veut avoir un petit quelque chose pour apprécier l'échelle, Apis mellifera un individu juste pour survivre. Donc sans compter ce qui va ramener à la ruche pour faire du miel, pour nourrir les larves, elle a besoin de 11 mg par jour. Donc ça veut dire qu'en juin, un mètre carré, c'est déjà pas suffisant. Sur le colza, un mètre carré, en fait, on nourrit pas mal d'abeilles. Donc, on a des choses, mais ça reste minime. Alors, ça, c'est pas du tout de moi, ça, c'est en train de sortir. C'est une équipe anglaise qui a regardé un peu les productions de nectar au niveau des paysages. Donc, paysages en grande culture, sans MAE particulière. Donc, on voit qu'on est sur des productions d'environ de 2 à 8 mg par mètre carré par jour. Donc, un peu plus faible, le paysage, ce qu'on a fait même sur nos bandes. Mais on va retrouver, je vous mets en parallèle, on retrouve un pic au printemps. Qu'on a fond, qui correspond un peu aux grandes cultures à fleurs, et un pic en juillet qui correspond aussi au pic qu'on a sur nos bandes. Donc on voit qu'on a des bandes qui, en fait, au niveau phénologie, ne vont pas réussir à apporter des ressources au moment creux dans les paysages, des ressources fournies par le paysage. Donc on a finalement des mesures qui vont soutenir un peu ce qui se passe déjà, mais qui ne permettent pas de compléter et de supplier les insectes, là où il y en a encore plus besoin. Donc, bon, déjà un petit bémol. Alors, comme tout à l'heure, quelles sont les espèces qui fournissent le plus de nectar sur nos mélanges? Colza, c'est toujours pareil. Pour les bandes à fleurs, on a une espèce qui a une grosse dominante, c'est la centaurée jacée, centaurée jacea, qui produit la grosse majorité du nectar, donc une espèce B. Et sur les bandes faune, là, ça commence à devenir un peu problématique pour les gestionnaires, c'est que nos espèces phares sont les chardons. Circe amarensis, Circe vulgare. C'est elles qui produisent le gros du nectar. Donc là, ils commencent déjà à faire un peu la tête, regarde, qu'est-ce qu'on a été faire. Production de pollen, l'autre source alimentaire qu'on a étudiée. Donc là encore, une part très importante des espèces spontanées sur les bandes de faune, une part plutôt accessoire sur les bandes fleuries. Et toujours on a le même pic en juillet. Et là aussi, des productions qui sont assez peu comparables aux grandes cultures. Parce qu'on atteint on dépasse les 1100 microlitres de pollen par jour en colza. Là, on est plutôt autour de 50. Donc c'est assez un peu faiblard et très peu de choses sur les bandes de faune. Mais, c'est que si on compare nos bandes fleuries et nos bandes faunes, en bandes fleuries, on a principalement des astéracées qui ont produit du pollen, donc qui est potentiellement un pollen de moindre qualité pour les insectes, qui peut souvent être déficitaire en certains acides aminés. Alors que sur nos bandes faunes, on a une diversité un peu plus grande d'espèces qui produisent du pollen, on a des brassicacées, on a des fabacées, qui ont un pollen de meilleure qualité. Alors, au niveau des interactions, qu'on a vu maintenant les insectes d'un côté, les fleurs de l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sur colza, on a observé 275 visites de fleurs par 100 mètres carrés par heure, c'est pas grand chose. Ça nous fait à peine 1,1% des fleurs qui sont visitées par les insectes. Niveau service de pollinisation, on y repassera, c'est pas fabuleux. Mais on a quand même vu un déficit de pollinisation de 21% au niveau de la production de graines. Donc si on surpollinise à la main, on a vu une pollinisation qui était moindre en champ. Donc on a une pollinisation qui n'est pas maximale, mais on a peut-être quand même une pollinisation qui est assez optimale parce qu'on est quand même dans la zone. C'est là où on a les meilleurs rendements en colza au monde. On dépasse de 5 à 10 cathos les moyennes européennes, on est bien placé. Alors, petit bémol, c'est effectivement, on a étudié juste une section de plantes dans notre étude.
Or, on sait, il y a une chouette étude qui est en train de sortir, qui montre bien qu'il y a des mécanismes de compensation qui sont assez fabuleux sur le causal, hyper efficaces. Et si on travaille, si on regarde section par section, par contre, ça compense, si on a plus de fruits, il y a moins de grains, enfin bref. Et finalement, les rendements, là ils n'ont pas pollinisé, pollinisé à 50%, pollinisé à 100%. Donc, plus on pollinise, plus on a le nombre de graines par silique, mais on diminue le nombre de fruits. Donc, finalement, à la fin, on a des rendements, la ligne du haut, qui sont à peu près similaires. Donc, en fait, le causal est assez élastique et se débrouille pas mal tout seul. Donc, c'est ça la différence entre une pollinisation maximale et une pollinisation optimale. On peut se débrouiller. Mais bon, c'est quand même une chouette ressource au printemps pour les abeilles. Ça leur fait des tonnes de nectar à pouvoir aller récolter dans la campagne. Alors, si on regarde nos bandes à fleurs et nos bandes de faune, là, on a quand même des taux de visite qui sont nettement supérieurs. On est autour de 11 000, 5 000 fleurs visitées par 100 m2 par heure. Quand même plus grand, c'est là, il y a même plus de monde. On a 27 espèces florales qui sont visitées sur les bandes de fleurs. On a déjà une diversité qui peut être intéressante. Et 24 sur les bandes de faune. Ça fait un peu plus la moitié de nos espèces qui sont en fleurs sur lesquelles on a vu des insectes. Donc 23 types d'insectes, même par bande, et 19 de l'autre côté. Et donc, la grosse différence entre les deux, c'est que sur les bandes à fleurs, c'est 87% de fleurs visitées qui sont les espèces semées. Alors que sur les bandes de faune, c'est surtout des espèces sauvages, dont les chardons, enfin sauvages spontanés, qui ont été visitées par les insectes. Et toujours pas d'insectes avant juin, donc un gros déficit de ressources printanières. Alors, on a voulu schématiser ça un peu en disant ces fameux réseaux d'interaction bipartite, qui sont parfois un peu indigestes. Quoi, il y en a qui réussissent pas à lire. Donc on a mis les plantes d'un côté, les insectes de l'autre, et on va voir un peu quelques grandes choses qu'on peut en dire. Alors, si on regarde, ben voilà, nos espèces semées en vert et spontanées en orange, donc sur les plantes pollinisateurs, au niveau des visites, 87% des visites qu'on a vues ont été faites sur les plantes semées, et sur les plantes faune, c'est l'inverse, 86% des visites qu'on a vues ont été faites sur les plantes spontanées. Si on prend juste nos deux espèces les plus visitées sur chaque bande, sur les bandes fleuries, c'est la Centaurea jacea, qui est la plus visitée, qui regroupe 48% des visites, donc à peu près la moitié de ce qui s'est fait sur la bande, c'est sur cette espèce-là, et qui a été visitée, c'est tout ce que j'ai mis en rouge, par 43 espèces d'insectes différents, qui représentent 63% de notre diversité d'insectes. On a 63% d'insectes qu'on a trouvés sur une seule espèce. Et sur les bandes faune, on a globalement le même schéma, mais avec la Circium velieri, qui représente 41% des visites, et 67% de la diversité en insectes qu'on a retrouvé sur cette espèce-là. Si on regarde au niveau des espèces spontanées, eh bien sur les bandes fleuries, on n'a que 3 espèces d'insectes, les petits trucs en rouge, là, personne ne les voit, qui ont visité uniquement des espèces spontanées, alors que sur les bandes faune, on a 31 types d'insectes, donc plus de 50% de nos insectes qui n'ont visité que des espèces spontanées. Alors, je vous avais parlé de nos bourgeons, on a regardé les pelotes de pollen, donc s'ils avaient collecté, pour avoir une idée un peu de l'historique de ce qu'ils ont visité, ça nous permet aussi de voir s'ils ont été chercher des ressources ailleurs, à l'extérieur de nos bandes. Donc, ils en ont collecté un petit peu, mais très peu finalement. Si on regarde, on a des chiffres qui sont assez faibles sur le nombre de grains de pollen d'autres espèces qu'on avait. Alors là, on a un bourdon qui avait été uniquement sur un champ de quinoa qui était à côté, qui était avec des pelotes pleines de quinoa. Donc, on a laissé, mais donc c'est un peu un cas particulier. Donc, assez peu d'espèces externes aux bandes, donc on dit que finalement, où il n'y a vraiment rien au niveau du paysage, donc s'il y a quand même quelques trucs. Où on se dit, bah, finalement, sur les bandes, les bourdons ont réussi à trouver ce qu'il fallait pour avoir un régime à peu près équilibré, donc on dit que c'était pas trop mal. Au niveau des bandes faunes, on voit que, surprenamment, ils ont collecté du pollen principalement sur des espèces semées. Même si ce n'est pas elles les plus visitées, on voit qu'elles sont visitées a priori, surtout pour le pollen. C'est un peu ce que j'ai dit au départ, on a vu qu'on avait des espèces qui étaient plus intéressantes, plus au niveau de la qualité du pollen qu'elles produisaient. Alors que si on va sur les bandes fleurs, on a une seule espèce spontanée qui est principalement visitée, Trifolium repens, qui est plus visitée, c'est l'espèce la plus visitée clairement pour le pollen, qui représente quand même plus de 35% du pollen collecté, elle toute seule. Alors c'est pas une espèce semée, donc c'est une espèce qui semble quand même être assez manquante dans le mélange pour fournir un pollen de qualité, et qui confirme effectivement les astéracées qu'on a semées sont probablement pas les plus intéressantes pour fournir une diète pollinique. La science synthétise un peu tout ça, colza donc, a priori faible, voire très faible, voire quasi pas du tout besoin de services de pollinisation par les insectes. Il a l'air de bien se débrouiller parce qu'on a tellement peu d'insectes dessus et des super rendements, ça a l'air de pas trop le déranger. Mais quand même, c'est effectivement une source très importante de ressources printanières. On peut faire du miel de colza, les apiculteurs sont rassurés. Et donc sur nos bandes fleurs et faune, on a vu qu'on pouvait quand même accueillir des insectes de façon pas si inintéressante que ça, même si on a surtout des insectes très communs, on a du mal après à avoir des insectes plus spécialisés. C'est pas étonnant, c'est quand même un mélange qui est assez simplifié.
Par contre, absence de ressources florales au printemps, donc peut-être ça pourrait être intéressant d'essayer de les compenser avec d'autres éléments du paysage, mais pour ça il faudrait réussir à avoir des mesures qui sont en synergie les unes des autres. Là, on a un niveau de complexité politique un peu autre. Et on a vu un manque de complémentarité assez important au niveau phénologique avec les ressources du paysage, parce que finalement on produit des ressources dans le paysage, on produit déjà le plus. Et si on résume un peu nos bandes, globalement sur les bandes à fleurs, on a une bande à centaurée et à trèfle, donc une espèce semée et une espèce spontanée, alors que sur nos bandes faune, qui paraissaient peut-être plus déséquilibrées au départ, on en fait une complémentarité assez intéressante entre les espèces semées et les espèces spontanées, donc les espèces semées qui produisent plutôt du pollen et les espèces spontanées qui produisent plutôt du nectar. Et donc on a quand même, même si elles sont fléchées, elles faune, plutôt oiseaux herbivores, on a quand même les capacités d'accueil des insectes. Donc ça pourrait être intéressant de proposer aussi ces bandes-là avec un aspect insecte, pour montrer qu'on a des choses un peu plus complexes que ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc elles ont toujours faim. N'oubliez pas, s'il y a déjà des mesures qui sont mises en place, c'est encore loin d'être parfait, il y a du boulot. Merci.